Coucou, c'est Cathy. Alors, je reviens vers vous pour le jour numéro 20. Donc aujourd'hui, nous sommes dimanche. Il y a deux cadeaux chez les Scrapinettes en folie. Pardon, je baille. Il y a Maud et Michel et Lunasia. Donc le 20 pour monter, donc je crois que c'est marchand de sable ça. Je vais regarder vite fait. Et je vous dirai ce que j'ai eu hier. Ah, faut que je mette mes lunettes pour regarder. Donc aujourd'hui, nous sommes le 20. Alors hier, c'était un thé bio framboise menthe. Il n'est pas là, je l'ai monté. Ouais, je l'ai monté. Comment ? Samedi, c'était une infusion à la camomille. Et aujourd'hui, c'est marchand de sable. C'est encore camomille. Mélisse et lavande. Et avant-hier, c'était camomille, honeybush, je crois que c'est du miel et de la cannelle. Voilà. Je bois une petite goutte de café. J'espère que vous allez bien. Vous entendez la cafetière derrière? Alors, hier j'ai bu, je ne sais plus, le rooibos Paul et Virginie. Il est bon. Il est bon. Il faudra que je regarde après pour m'acheter. Enfin, je ne vais pas tous les prendre. Alors là, c'est thé noir Noël à Pékin. Ananas, fruit de la passion, mangue. Bon, ça ne doit pas être mauvais. Hein. Et. C'est 4-5 minutes à 90. Par contre, je vous avoue que moi, je le fais à la bouilloire électrique. J'ai pas de thermomètre pour savoir à combien l'eau est. Donc là, vous entendez le chat jouer avec une baballe. Voilà. Alors, on va commencer par Lunasia. Des embellissements, mais quoi, je ne sais pas, ça va être la surprise. Alors, hein, c'est pas mal ça. Je sais pas si ça vient d'action, moi je les ai pas vus. Moi j'aime bien, moi, tous ces trucs là. Les grands, c'est peut-être plus compliqué à s'en servir. Mais pour mettre un centre de fleurs, les gros, c'est pas mal. Merci beaucoup, Lunasia, j'avais pas. Ensuite, allez, on va commencer par Maud. Pas doucement, Cahouette. Elle s'approche du sapin avec... Pardon, je vais peut-être arrêter de parler. Elle s'approche du sapin avec sa balle. Alors, ma petite Maud, elle m'a fait un trombone altéré. Vous voyez bien un petit sachet. Oh, ben voilà. Oh là 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 là. Je m'en doutais. Elle m'a fait tomber mes petites biches. Ah, mes petites serres. Plus c'était la désolée, j'ai pas coupé. Vous vivez avec moi ma matinée, mon réveil. Oh là là. Qu'est-ce que, ah si, elle m'a fait tomber la maison d'oiseaux. Oh là là, mon petit bébé. Cahouette, fais attention. Bah oui, t'as eu peur. Il y a des enfants battus à se sauver. Alors, je vois pas de... d'ouverture. Si, mais ça en va, je vais y aller petit trait. Bon, ben, je vais être obligée de... d'enlever ça. Va doucement, hein, Cahouette. Elle joue avec une boule...
une balle qu'on lui a fait avec du papier, d'un emballage de pain. Ils ont plein de jouets, hein, mais... Ah, je vais y arriver. Désolée, Maud. Hein. C'est la faute à Cahouette. Alors, c'est une petite enveloppe avec une petite fleur en craft ou papier toilette, je sais pas. Là, il y a le tampon, on dirait le tampon florilège moucheté. Le papier, il est joli avec un... Je sais pas si vous voyez, c'est... Il est doré, vert et blanc. Très joli. Et dedans, des petites cartes. Très sympa, je suppose que ça vient d'un kit. Merci beaucoup. On va les remettre. Hop. Voilà. Merci beaucoup pour le trombone. Et ensuite, hop, j'enlève les belles bordures. Je pense que c'est une carte, un livret. Attendez. J'ai le pied juste entre les mains, entre les bras. Je vois pas grand chose. Alors oui, c'est un petit livret qu'elle a certainement fait avec un kit et du papier vieilli. La texture de ton papier est... c'est doux. Ça n'a pas l'air d'être un papier machine. Alors là, il y a deux anecdotes qu'elle a fait, je pense. Un petit papillon, deux images. On dirait les kits d'action pour faire les cartes. Alors ensuite, on a encore une jolie petite carte avec une image là. Hop, ça fait comme un flipbook. Attendez, je vais hop. Pousser un peu pour le mettre, voilà. Et tout compte fait, vous le voyez même pas en entier. Ouais. Donc, dans une petite pochette là, il y a encore des petites cartes pique, l'as de pique. Elles sont jolies, tes petites cartes. Enjoy your day, enjolive ta journée. Ta journée un bonheur. Alors, une très belle image. J'aime beaucoup avec des roses blanches. J'ai un rosier comme ça. Ensuite, là, elle a fait encore une petite pochette. Et là, non, on croit que c'est une pochette, mais non. Très jolie. Là, il y a une belle image aussi. Alors, des petits éphéméras. Ne me tire pas encore la nappe, Cahouette. Hein. Merci beaucoup. Ton papier a une texture particulière. J'aimerais bien que tu me dises sur quoi tu imprimes. Parce que des fois, j'imprime sur des papiers qui ne sont pas des papiers machines. Je trouve que c'est plus joli. Et là, une belle pochette avec une belle rose encore. On dirait le tampon moucheté de chez Florilège. Tu me diras, ma petite Maud en MP. Hop. Encore des cartes. Alors, je sais pas si c'est, ça doit être le valet. Non, le valet, il est là. La reine, le roi. Et là, c'est le 10. Merci beaucoup. Avec des petits papillons. Merci beaucoup. Et derrière, c'est très joli. Et j'adore la texture de ton papier. Si tu peux me le dire, j'apprécierais. Merci. Cahouette. Ouais, prends-la, il va plus loin. Merci, Maud.
Merci Lou Nadia. Vous voyez, oui. Et maintenant, ma petite Michelle. Je suis désolée, hein, je casse les emballages, mais c'est bien collé avec les die cuts de ma petite Sylvie. Alors, Michelle, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ton anniversaire, mais je te souhaite bon anniversaire si c'est aujourd'hui. Parce que tu as dit le 20, le jour de mon anniversaire, mais je ne sais pas si c'est le 20, ta date d'anniversaire, ou le 20 décembre, c'est vraiment ton anniversaire. C'est très très joli, j'aime beaucoup. Vous me gâtez les filles, je le dis peut-être pas tous les jours, mais ça me fait un grand plaisir d'ouvrir tous les jours. J'ai été très gâtée, mais franchement c'est un pur bonheur. Alors, une petite bannière comme je les aime, très jolie. Je vais mettre mes lunettes. Hop. On ne sait plus faire ça après un certain âge. Hein, ça. C'est dingue. Hein. Alors, parfum d'enfant. Ça va déjà mieux. Hein. Là, il y a un beau petit, je ne sais pas si vous voyez, centre de fleurs. Il est très joli. Il y a des petits strass. Je ne sais pas si tu l'as acheté tout fait ou si c'est toi qui l'as fait. Des petits strass, une petite perle, une petite rose sur une petite fleur d'action. Que tu as remonté parce qu'il y a du rose et du blanc. Des petites pendouilles. Hop. Bon, ça c'est un peu de fil de colle, mais ça c'est pour tout le monde. Hein. Du tulle, j'en ai acheté. Tout le tour. Un ruban de tulle à pois. Je vous verrai peut-être mieux comme ça. Derrière, il y a deux boutons. Il y a un ruban plissé. Je ne sais pas si c'est toi qui l'as plissé avec un autre ruban. J'aime beaucoup. Hop. Et ensuite, là, il y a encore le ruban plissé. Tu me diras, Michel, si c'est toi qui l'as plissé. Parfum d'enfant. Il y a une... comment ? Une guirlande, vous savez, de cœur, de perle-cœur. Et là, un petit cadre avec un petit ourson. Un joli petit cadre. Et un petit nœud. Merci beaucoup. Et les deux petits boutons, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Hop. Et elle a fait ça sur des bâtonnets de glace. Merci beaucoup. J'ai pas encore essayé sur les bâtonnets de glace. Encore une journée où j'ai été très gâtée. Et le thé, bah si, j'ai regardé. Je fais deux fois la même chose, moi. Donc, voilà pour les petits cadeaux d'aujourd'hui. Je vais peut-être les avancer pour que vous les voyez mieux. Hop. Encore une belle journée. Cadeau. Je lirai vos messages, je vous ferai un petit cœur. Je vous remercie pour tous les messages que vous mettez pour les scrapinettes et Lunasia et pour les créas des scrapinettes. C'est vraiment très gentil. Je vous souhaite de passer un bon dimanche. Moi, je ne sais pas ce que je vais faire. Hier, j'ai fait... comment ça s'appelle ? Un peu de résine hier soir. Je pense que je vais en refaire un petit peu aujourd'hui. Il faudra que je me recommande une bouteille, mais c'est pas donné, ces trucs-là. Mais bon, il faudra. Parce que ça va quand même bien. Même si il faut aller vite. Et, donc voilà ce que j'ai fait. Et je pense que c'est tout ce que j'ai fait. J'ai dû faire autre chose, mais je m'en souviens plus. Voilà. Bon, je vais vous laisser avant que ma cahuète me fasse une grosse bêtise, parce que j'ai un coffre où je mets une nappe blanche au moment de Noël, pliée en deux, où je mets mes petites biches, ma... comment ça s'appelle ?
Ah, je l'ai dit tout à l'heure. Enfin, soit mes décos. Et je pense que ça va tomber par terre à force qu'elle tire dessus parce qu'elle n'arrête pas de jouer là-bas avec. Voilà, et elle tire sur la nappe. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis encore merci. Bonne journée. Prenez soin de vous. Bisous. À demain.